Bah, c'est quoi les pseudos là? Béladine Nesco qui était chez Vita. Nesco? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? N'importe quoi. C'est qui Nesco? Nexo. Je suis ambassadeur chez... Mais y'a pas Nexo. Put some respect on my name. Je suis hypé là. Là, je suis hypé de voir des matchs. J'aime trop regarder ça. C'est trop, trop intéressant à regarder. C'est le genre de jeu où même si tu connais pas forcément le jeu à fond, tu te poses devant le match et tu kiffes. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Mais Nexo est pas pro du coup. Il l'était. Alors, il était sub dans la team Vitality. Mais il n'a jamais. Okay. Il a déjà fait des bons résultats en tant que joueur sub top, mais il a jamais été joueur professionnel d'un main roster. Okay, RLCS. Okay. C'est vrai, mais genre le mec, il analyse des patterns et il arrive à s'adapter genre pendant qu'il joue. Je sais pas. Je trouve ça trop propre. Attends, mais si c'est un exo, bah du coup demain aussi sur Trackmania, ça va être truieux, non? Bah ouais. Ah. Oh, un exo, oh, est pas bah premier. Regarde, ça va être trop bien. Ah bah oui, bah là il a le cut à gauche. Là, regarde, ça hop, personne a le cut. Voilà. Oh, mais non, mais apprenez les cuts, les gars. Regardez ça, il est passé devant vous. Je viens de comprendre qu'ils doivent suivre les champis pour savoir par où passer. Bah, qu'est-ce que tu fais avec ton chapeau? Eh, aujourd'hui on va chercher des champignons, Maïté nous a promis de nous faire un bon petit repas. Ah bah oui, Maïté. Ah bah coucou, troisième caster. Voilà, qui ouais. Pas d'écran. Je me fais envahir le desk, évidemment. Donc, alors qu'est-ce qu'on a en première place? Waouh. Eh bah écoutez, incroyable ce joueur, c'est inconnu étonnant. Au bataillon. Putain, mais il sort de nulle part en plus. C'est pas du ça. Il m'a saoulé. Ah, tu le vois, hein, la façon dont il contrôle la balle, il sait exactement où elle va arriver. Voilà, c'est pour ça que je dis, ça. Il y a aucune chance que là, même il s'est bousculé, mais ça le gêne pas en fait. Quand à plus haut niveau, tu peux répondre à toutes les situations. Elle est bien la map. Ouais, ça prend plus d'un mois à faire apparemment. J'espère qu'il les délète pas à la fin. Mais après, Minecraft, j'ai toujours vraiment vu ça comme un jeu d'artiste. Hein. Mais vraiment, pas en mode oui, je pose des blocs et je fais un dessin. Genre vraiment, je vois ça comme. C'est tellement un moyen de montrer sa créativité et de se lâcher en fait dans un jeu, c'est trop bien. C'est qui le boss là? C'est les joueurs ou c'est le mappeur? Oh là là. Mais Nexo, calme-toi, c'est le warm-up. On a compris que t'es fort. Nexo qui détruit tout. Hein. Non, mais c'est trop. Oh la Gastax. Oh la Gastax. Oh la Gastax. Gastax. On part en exploration, Gastax, qu'est-ce qui se passe? Oh, le boost en arc-en-ciel, trop stylé. Ce serait bien d'avoir un peu tombé là. J'avoue, il n'y a pas un qui tombe. Oh là là. Allez les gars. Comment c'est possible? Ah, ça y est. Aïe 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 aïe. Oui. Voilà. Bon. En fait, il fallait juste pas tomber contre Nexo, quoi. Shinibasho o motomeru otoko no na wa 110 no Kaido. Attends, on a une nouveauté là, enfin. Il y a des heures qui est passé devant Nexo. Non, il a fait. Ah, sur ce. Oui. Ah, il est premier. Ouais, oh, le Nexo s'est tapé il s'est tapé un mur. Oh là là, l'erreur. Bah, tu vois, le mental. Et voilà, c'est fait. Nul, Nexo, nul. Ah, ils se battent pour essayer de sauver la Brésil. C'est terrible. Ouais. Et la Brésil à la 0 seconde. Oh, ils ont fait la du Brésil à 0 seconde. GG. Ouais. GG. Razmeltor, c'était un plaisir. Hein. Et bah, un écoute, plaisir de cast avec toi. Très belle rencontre. Vraiment, je me suis très, bien très amusé. Mm-hmm. Merci beaucoup, Ads. Merci à toutes et à tous. Salut tout le monde. Salut tout le monde.